Bienvenue dans ce nouveau vlog. Première chose, ça commence très vite, regardez. J'ai l'impression d'avancer comme dans un jeu vidéo. Genre tous les jours vous commencez le vlog et à chaque fois il y a des nouvelles mises à jour du studio et tout. On a un plafond noir, je sais pas si vous voyez, si ça se voit très bien ou pas. Là vous voyez surtout mon crâne. Mais on a fait des travaux, ça ressemblait à ça il y a quelques jours. Bon les gars, on refait la déco de mon studio, regardez un peu. Ça me fait rire. Non, en vrai on change les plaques, on va les mettre noires au plafond, ce sera plus raccord avec le studio, enfin avec le reste. Je sais pas comment j'ai appelé ce vlog, mais normalement ça tourne autour de Tom Holland. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Il a craqué ou quoi? Non. Là, demain, très exactement, je vais voir Tom Holland. Il s'est passé plein de choses cette semaine, mais je vais vous expliquer. Je suis dans une semaine de karma négatif, je ne rigole pas. Tout ce que je fais depuis le début de la semaine pue la merde. Genre, par exemple, je me réveille ce matin chez moi, je descends dans la cuisine, et je me dis, putain, il fait froid. Le chauffage, il marche pas ou quoi? Et je me dis, bon, c'est pas grave, je dois être un peu plus frileux, ou il doit faire un peu plus froid, je vais directement dans ma salle de bain, je commence à me brosser les dents. Putain, il y a pas d'eau chaude, on dirait, genre, alors que je paye tout, tu sais. J'ai plus de chauffage chez moi. Du coup j'appelle Angie, parce que c'est Angie mon truc. Je fais oui bonjour, figurez-vous que j'ai plus de chauffage et que j'ai l'impression que ça arrive une fois par an. C'est drôle, et ils me disent qu'est-ce qui vous s'affiche sur le voyant? Je dis ben le E1-19. Elle me dit ok, c'est quoi votre chaudière? C'est une chapelet? Je dis comment ça? Moi je connais la chapelure. Et je dis ben comment on voit quelle marque c'est? Elle me dit ben c'est écrit dessus. Je fais ben il y a écrit Initia. Elle me dit ok, donc c'est une chapelet. D'accord, ben c'est... Et elle me dit ah mais oui, c'est un problème de pression dans votre chaudière, il faut juste tourner le robinet de 1/4. Je tourne le robinet de 1/4, ça change rien. Du coup c'est genre c'est chiant. Donc là on a plus de chauffage ni d'eau chaude, donc qu'est-ce qu'on fait du coup? Bah je me douche au l'autre. On n'avait jamais vlogué cette pièce. Bah c'est chaussette et pas chaussette. Bon alors qu'est-ce qu'on a par ici? Je me suis douché une fois ici et je me souviens j'avais pissé dans la douche. Là là. Bref, je vais prendre ma petite douche, on va voir les Tom Holland, vous allez voir toutes les images. Bienvenue dans son nouveau vlog. C'est bon, je suis douché heureux. Bon, si demain je me retrouve à voir Tom Holland, c'est pour une bonne raison. C'est parce que Sony m'a invité pour mettre en avant le film dans lequel joue Tom Holland, à savoir Uncharted. Merci beaucoup à eux de me faire confiance. Moi-même, quand je me regarde, des fois, je me dis que la confiance n'est pas à son paroxysme. Mais en vrai, ça fait trop plaisir. Du coup, forcément, pour ce genre d'événement, je me dis, vas-y, fais honneur à la France. Enfin, faut que je donne une belle image, tu vois. Je vais être en gros 10 minutes avec lui, on va parler et tout du film notamment. Je sais pas comment on va dériver la conversation, mais si jamais à un moment j'arrive à pouvoir lui glisser 2-3 mots, j'aimerais lui montrer ceci. Hey Tom, welcome to my place. Yeah. I will introduce myself real quick. I'm Mastu, I make videos on YouTube and here is my studio. I saw that you have trains for your movie roles, so maybe this could be interesting for you. I tried a physic transformation over 7 months. So, impressed? Not really, man. It's not cool. I want to show you my office. So, this is the first room. It's a chill space, man. Look at this. I really don't want you to see me as a boring fan. So, if you think this is awkward, tell me and we stop everything, okay? Let's go, my friend. Follow me. Okay, so here, this is a place where we work. It's chill, good mood, you know. Look at this. Hey, man, are you happy to be here? Yes. What else? What else? So, oh fuck. Oh guys! Oh, there are so many other rooms, but we don't have enough time! Come with me, man. Come with me. No, no, this. Okay. C'est une vidéo que j'ai préparée pour essayer de le faire rire. Il y a deux problèmes à ça. Un, j'ai pas envie de passer pour un forceur, donc je vais pas non plus lui courir après. Faudra vraiment que ça se fasse naturellement. Deux, bah j'ai un niveau A4 quoi, en anglais. C'est du feuille A4. Ouais c'est vrai ça. Bah en clair je suis une bille quoi, mais je pense que ça vous le saviez. Et on n'a pas d'interprète, donc la barrière de la langue elle va être très présente. Au pire on improvisera, là n'est pas la question. Le vrai cœur du problème c'est il faut que je m'habille correctement. Donc ma copine et moi-même avons commandé une tenue pour moi sur Asos. Je vous la montre. Franchement ça fait plaisir, on a dépensé un truc comme 300€. Mais on voulait vraiment se faire une tenue, tu vois, beau gosse un peu. Je vous montre ça tout de suite. En fait, faut que je vous explique, j'ai un problème. Dès que je commande sur internet, à chaque fois, il est mannequin, c'est trop beau gosse et tout. Tu dis, waouh, pièce de qualité. Je commande, je reçois le truc et ça, c'est pas comme l'effet souhaité. Genre là, est-ce que vous me voyez arriver devant Tom Holland et faire ça? Hey Tom, my bro, what the fuck, man? How are you doing? Wanna come in my house? On dirait que c'est un gilet qui a été tricoté par ma grand-mère. T'en penses quoi, toi? C'est horrible. C'est chiant. Du coup, 300€, ça, plus une autre surchemise qui pue autant la merde. Montre quand même. Je la montre quand même. Je crois que c'est pire. Mais heureusement, on a trouvé une autre tenue qui, cette fois-ci, convient beaucoup plus. Vous la verrez demain quand on sera dans l'autre journée. Mais voilà, le flow tard les fous, quoi. Là, après, regarde, si je fais un peu le cas comme ça. Je
vais vite enlever ça. On va se rhabiller normalement. Et au pire du pire, si je me pointe à une soirée remplie de gars pété de thunes et ultra connus en jogging, genre, tu me fais plus jamais réinviter par Sony? Jamais. Ok. Fini. Ouais. Heureusement dans tout ça, dans les moments durs et compliqués, j'ai mon fiston pour me réconforter quoi. D'ailleurs j'ai vu vos commentaires hein. Y'a plein de coms qui ont été abusément likés et tout. Mais c'est que des noms de merde quoi. Y'en a un, il a 29 000 likes sous le com, je sais même pas comment il a fait, il en a presque autant que la vidéo genre. J'abuse. Jean-Eude, Christophe, Louis, David. Non. J'ai vu quelqu'un qui m'a donné une bête de remarque. Il m'a dit Antonin parce que ça représente le calme et je sais plus quoi. Pas mal, mais pas beaucoup liké. Donc on va décider ensemble du prénom maintenant. Je vais aller sous la vidéo, premier prénom que je vois c'est prénom du gosse, vous êtes prêts? Oh my god! Vas-y, je scroll, je m'arrête dessus. Top! Grégoin! Quoi? J'aime beaucoup. Et bah, du coup, vous savez quoi? Je vous présente Grégoin. Oh, le petit Grégoin! Oh putain! Attends. Attention, voici ses premiers mots officiels. Bonjour, mon nom est Grégoin! Un beau gosse déjà à son âge. Il a déjà perdu les cils. Je crois que c'est quand je l'ai claqué contre le mur l'autre jour. Très fréquent quand on a un enfant au final. Autre information, on a des nouveautés dans l'équipe. Il y a Sam qui va nous rejoindre. Sam, c'est la personne qui monte tous les vlogs que vous regardez chaque mardi. C'est lui. Salut, vous, ça va? Coucou, ça va. Et du coup, là, il faut que je monte son PC. Regardez son matos. Hop, il a un petit Mac là, avec une petite PS5. Juste ici, iPhone 13. Hop. Et là, c'est tout son PC là. Va falloir tout monter. Mais il se met bien hein, pour un premier jour. Vous en pensez quoi? Mais de quoi? C'est le setup de Sam tout seul là. Il mange Gucci le stagiaire là. Non, mais après, c'est tranquille. C'est genre petit stage tranquille. Hop. Ouais, je comprends pas la PS5. Il pourrait pas de PS5 moi ici. C'est pour faire du montage. En gros, c'est vraiment juste. Moi, je lui ai dit, tu te mets bien. Si t'as besoin de règles, quoi que ce soit et tout, t'as tout ce qu'il te faut ici. Après, je voulais pas, tu sais, je l'ai mis qu'à 8 000 € par mois. 8 002. Net. Donc je me disais c'est pas assez chaud en vrai pour s'il doit se payer son matos ou quoi. Wow. Donc je me suis dit comme ça au moins il a tout ce qu'il lui faut sur place tu vois. S'il lui manque un truc Wow, ok. Je pense que... Faut qu'on parle non Jordan? Gros. Quoi qu'il y a? C'est ça, c'est une vanne. Hein? C'est une vanne. En vrai il a 8 007 mais j'avais peur de faire des jaloux de le dire à la cam. Ok, toujours dans l'humour. Il est toujours dans l'humour. Moi oh, je suis 1100 ouais. Non mais... Putain. Oh mais... Ah y'a 1100 € d'écart entre le salaire de non, mon stagiaire et... Tu te souviens pas le... Non mais 1100 €, enfin je reçois 1100 1100 ouais c'est... Ah 1100 par jour? What the fuck, tu le mets Gucci? En vrai j'ai vu plein de patrons faire ça hein. 1100 € par jour ça se fait de fou. Genre moi et Kiki Resto en plus sur... Mais tu sais je t'avais payé un resto un jour, t'avais mangé au Petit Pré. Kebab là? Oui le kebab mais c'est à côté du Petit Pré. Et toi Emma t'as déjà eu tu sais le stylo 4 couleurs que je t'ai offert là. Ah bah grave. Pour noter ce qu'elle voulait un cahier. Ah putain c'est lourd en vrai. Bah oui c'est lourd, ouais, ouais bah tu vois il le dit lui-même. En plus des 8 100 €, ça fait plaisir genre. PS5. Ouais PS5 je me suis dit comme ouais. Ça s'il a envie de faire du montage sur la Play. Genre j'ai vu on pouvait maintenant. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Mais genre tu peux faire du montage sur la Play. Tu peux installer Sony Vegas. C'est Sony Vegas Pro Station 4. Du coup je me suis dit comme ça tu vois s'il a envie de tâter un peu. Voilà du coup faut que je monte tout ça. Et la Play et le Mac je laisserai gérer genre. C'est surtout l'iPhone 13. Je suis dégoûté parce que c'est pas le Pro Max. J'ai peur qu'il fasse la gueule genre. Gros vraiment enfin là je te dis vraiment. Ouais il va péter un plomb en vrai. Non mais non. Putain fait chier sa mère. Au pire j'en prends deux. Ça lui fera plaisir non, deux. On aura pas l'utilité. Si je pense moi ça peut lui plaire. En vrai je vais voir avec lui, je vais l'appeler maintenant. Il monte des vidéos. Ah ouais t'as raison. Tu veux dire un iPhone par vidéo genre en gros? Comme ça c'est plus utile. Parce qu'après j'ai peur que la mémoire elle sature moi. Attends je vais l'appeler tout de suite. Vraiment, t'es un excellent patron. Allô Sam? Ouais. Gros je voulais savoir, tu sais je te paye 8 100 € net par mois. Et par rapport à la PS5 et à l'iPhone 13. Ok, ok, ok. Non mais juste en gros je voulais savoir si l'iPhone 13 Pro Max toi ça t'allait ou pas. Ou ok. C'était prévisible. Quitte l'aventure. Putain de merde, j'arrive jamais à garder mes employés. En vrai plus sérieusement, il va falloir que je monte son PC maintenant, sachant que j'ai aucune compétence, mais ça devrait le faire, on se retrouve dans 5 minutes. C'est bon, on a terminé. Bon alors normalement tout est bon. Verdict. Remarquable coup. Ah ouais, c'est normal, faut que j'appuie sur le bouton derrière. Hop. Et là... Wow, il est incroyable. Magnifique, on dirait le circuit Mario Kart là. Ouais, la course arc-en-ciel, j'avoue. Ouais, de fou. Oui, il est incroyable. Bah du coup, j'en ai fait un pour Sam et je m'en suis fait un pour moi aussi. Ouais, normal. À la maison. Fait un pour moi aussi, je crois. Ah ouais. Ouais. Ah waouh. Wow, il défonce. Ah ouais, ça déchire. Et il y a une vidéo, mais là, elle se lance pas. Mais je crois que c'est parce qu'il faut que je fasse que je configure déjà. Là, normalement, s'il y a un seul truc qui plante en mode, tu sais, genre le PC marche pas ou quoi, et on a un retard sur le montage, c'est vraiment qu'il y a eu une couille pendant le transport. Parce que le PC vaut 4 000 € le PC, genre, tu sais. Ah ouais. Ouais, 4 000. Ouais. 4 000. Tu sais, c'est pas les Sims Loose, c'est pas 4 000 pièces d'or, c'est 4 000 €, genre. Ah, ça y est, elle est là, la vidéo de Luffy. Oh, mec, c'est incroyable. Ah, mais elle est déjà paramétrée avec une vidéo. Ouais, ouais, regarde. Oh, ça défonce en vrai. Les attaques de Zoro. Mais mec, c'est incroyable en vrai. Moi, ça me fascine. Là, c'est les PC 2022, note pour dans 10 ans. Putain, j'avoue, ça se trouve, ça sera éclaté, ça va pas. Mais attends, mais déjà là, tu veux que je te montre ce que Yu m'a proposé de me faire comme PC pour la maison. Il m'a dit, si t'as de la place, on peut partir sur ça. Non, mais gros, mais c'est quoi ça? Je sais pas. On dirait un réacteur. Ouais, t'as vu? Il m'a dit, ça coûte pas plus cher que. C'est juste que c'est la beauté.
vache. Genre ça doit être monté différemment. Et genre je lui dis ouais tu peux faire ça en combien de temps tu penses? Il me dit oh 3 jours. Il est trop fort. Je vous mets son Insta juste ici. Allez voir, il est incroyablement fort. On a fini de monter le PC de Sam. Maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment de m'entraîner en anglais. J'ai ici une liste de questions que je dois poser à Tom Holland en lien avec le film. Et j'ai de la chance parce que je suis pas tout seul, je suis accompagné de ma copine qui est très forte en anglais. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de me faire comprendre par Tom Holland quand je vais lui poser des questions. Donc de travailler un petit peu mon accent. Tu te dis honnêtement. Ouais. Hey Tom, do you have free... Do you have 3 words to describe Uncharted? Uncharted? C'est ok. C'est ok, ok. How was it to... Non mais je vais pas le faire comme ça en fait. Je vais être devant lui, je vais faire... How was it to work with Margaret Wahlberg? Mais ça veut dire en gros, si jamais je lui pose la question et que je vois il lit la feuille, c'est qu'il me comprend pas. Ouais. Et ben on est tout bon. Je suis en train d'envoyer les rushs actuellement que vous voyez là, je suis en train de les envoyer à Sam. C'est beau la technologie, putain. Du coup, il va pouvoir commencer à monter le vlog et nous pendant ce temps-là, on va aller faire des tests PCR. Je vais vous emmener avec moi. Vous savez ce qui peut être drôle là, c'est genre on... je fais le test PCR et je suis positif, c'est genre asymptomatique. Et du coup, je vois pas Tom Holland et le vlog, il a aucun sens. Les gars, on est juste en bas du bloc. J'ai fait tout le tour du terrain. On va pouvoir s'introduire dans l'enceinte de l'établissement. C'est parti. T'es en retard, hein. Ouais, je sais. Je sais pas si vous allez pouvoir tout suivre, parce qu'en réalité, là, la caméra, elle se voit quand même, tu sais, j'ai tilté un peu coup après. J'ai tout mélangé dans ma phrase. Du coup, peut-être, ils vont me dire de couper. Vous kiffez le vlog ou quoi? Alors, vous êtes en kiff, les petits fous du vlog? Vlog. Bon. Et c'est tout bon. Merci. Soit vous attendez 10 minutes pour avoir le résultat tout de suite, soit vous attendez sur la boîte mail. Ah bah... La boîte mail, ça va le faire. Mmh, j'ai encore sous le choc. La boîte mail, ça va le faire, ouais, je pense. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai mal. Elle m'a mis une brosse à dents dans le nez, là. Je crois qu'elle a remonté une crotte de nez. J'avais jamais fait d'antigénique. Du coup, c'était un antigénique, pas un test PCR. On a changé parce que sinon, on allait potentiellement pas avoir les résultats à temps. Ça aurait été con de faire tout ça pour Tom et ne pas pouvoir rentrer, quoi. Donc là, dans 1 heure, on a les résultats. Donc ça serait marrant qu'on apprenne qu'on est positif. Et du coup, fin du vlog, quoi. Tu fais Kadros ? Ouais. Oh, va falloir faire des vannes, là. Du coup, chose marrante. C'est que comme on a plus du tout d'eau chaude à la maison, plus rien là. Bah du coup on va dormir au lot, hein. Parce que sinon demain je peux pas prendre de douche et je vais arriver devant Tom Holland tout pouilleux. Il va dire waouh, c'est donc ça l'odeur de la France. Oh l'équipe, je viens de recevoir un mail, j'ai les résultats du test qu'on vient de faire à l'instant. Je vous propose qu'on aille voir ensemble, attention, est-ce que vous êtes prêts? Je me suis connecté, j'ai plus qu'à cliquer, je télécharge le document. Yes, je suis positif, let's go. Let's go, putain, trop bien. Prank. Je suis négatif, c'est tout bon, regardez. Hop, allez. Petit antigénique négatif. Je peux donc aller à l'événement Sony, ça fait plaisir. Blague à part les gars, je vous parle sérieusement cette fois-ci. Il faut recontextualiser un petit peu. Sony m'offre la possibilité d'aller voir en avant-première le film Uncharted. C'est trop cool, encore une fois merci à eux. Il faut bien remettre dans le contexte que Tom Holland c'est une star américaine. Déjà pour ceux qui ne savent pas qui est Tom Holland, imaginons que c'est un acteur très connu qui va jouer l'un des rôles principaux d'Uncharted, qui a également joué dans d'autres films. Il est mondialement connu. Ça implique que cette personne a un agent, a des agents de sécurité, et qu'il est extrêmement prisé. Genre demain je vais pas arriver, je vais pas le checker, je vais faire yeah, Sam, yeah, what's up boy man. Je vais avoir globalement 10-15 minutes et moi j'ai des choses à faire parce que c'est quand même une OP avec Sony mais sur Instagram, rien à voir avec ce vlog. Donc durant ces 15 minutes ça va pas être YOLO, swag et tout, j'ai mon travail à faire quoi. Je vais essayer de vous filmer quelques images mais faut pas s'attendre non plus à ce que je vous disais, à ce qu'on puisse avoir une conversation hyper libre et tout, lui aussi a des choses à faire et bah c'est la vie, c'est comme ça. Donc je suis content quand même, je trouve ça un peu drôle. Les gars, ça y est, le boss qui vient d'arriver, El Craquito Sam, il vient voir son PC pour la première fois. Vraiment que le tapis de souris, c'est ce que je disais. C'est fou. Tu vois, l'intérieur il est insane. Incroyable. L'écran. Ouais, il y a le petit truc là intégré à l'intérieur. Non, c'est vraiment une dinguerie. C'est incroyable. J'avais jamais vu ça. Sinon, je crois que depuis la dernière fois, il y a rien de nouveau si ce n'est. Ouais, mais t'as tout vu en vlog, c'est même pas drôle. J'ai même plus besoin de te faire de visite, tu connais l'autre par cœur en fait. Il y a la salle de sport qui a juste le plafond. D'ailleurs, la salle de sport, ouais, je vais rien dire, mais. Ça arrive bientôt, je crois. Et du coup, la PS5 qui est tout. Ouais, la PS5. Ah oui, c'est trop drôle. T'es déjà arrivé à ce passage là. Ah ouais, merde. Ouais, gros, après, tu sais. Tu parles de la PS de tout à l'heure là, dans le même vlog quand je disais ouais, PS5 et tout. T'as vu comme je suis un bon acteur. Ouais. Putain, on en fait des choses pour Tom Holland. Petite vie de bohème quoi, j'ai envie de vous dire. Cool, cool, cool. Il est actuellement 22h07. On va faire un peu de montage et après ça, on ira dormir pour ensuite prendre le train demain à 9h. Donc je vous dis bonne nuit et je vous fais plein de bisous. On arrive par là à ma grand-mère quoi, c'est cool. Yo. Eh, j'ai la voix éclatée là. Je viens de me réveiller vraiment. Je suis en caleçon là, c'est de pire en pire. Regardez un peu comment on a dormi là cette nuit. Top. Du coup hier je me suis couché à 1h30 je crois, ou 2h, je sais plus. J'ai fini le montage de la vidéo là. Elle me fait pas trop rire. Je suis pas satisfait de moi, du coup Bon, c'est chiant quoi. Mais vas-y, c'est pas grave, on va tenter quand même, hein. On va au bout du truc. J'ai trop de trucs à faire, il est 9h, on part dans 44 minutes, je suis pas touché à rien, je viens de me lever, je suis un peu en retard là. On se retrouve dans 10 minutes à plus.
Bon, verdict à chaud là. Dans quelques heures, on a l'événement Sony. Très pressé d'y être, très curieux. Je sais pas si je vais être très à l'aise. Je monte dans mon train et puis on est parti. Ça y est, les gars, mon train est arrivé. Oh, mais que vois-je, dis donc. Ça serait pas mon grand ami. Oh là là. Insupportable. Allez, on rentre dans le train. Excusez-moi. Je vais voir Tom Holland en fait. Je vais à l'avant-première de Sony là. Pardon. Les gars, je suis en business class. Je suis l'escroc du groupe. Ça y est, à moi la vie de star là. Je suis pas amoureux de lui, hein. Bon, les gars, on est bien arrivés sur Paris. Là, on est en direction pour aller poser nos affaires à l'hôtel. Et après ça, on va se rendre au rendez-vous. Les gars, on est dans la chambre d'hôtel. Je vous la vloguerai tout à l'heure. Juste, je viens d'apprendre qu'il y avait McFly et Carlito qui étaient là aussi. Je viens d'avoir un petit call là avec Carlito. Du coup, on va essayer de se croiser. C'est très chaud parce que eux, comme moi, on a 45 minutes pour faire nos bails. Donc, c'est très millimétré. Et je commence à avoir une pression parce que je vous rends compte que je vous ai teasé le vlog de fou. Et j'ai trop peur de ne pas pouvoir filmer comme je veux et tout. J'ai l'impression de devoir partir en mission pour avoir des images, mais j'ai pas non plus envie de faire le forceur et d'être là toutes les 5 minutes. Hey, nice to meet you, Tom Holland. Voilà, t'es bien dans le cadre, bouge pas, attends, la lumière un peu plus, nickel. Faut que ça soit naturel quand même un petit peu, genre. Les gars, c'est bon, on est arrivé sur place. C'est trop beau. Je sens que je suis pas à ma place. Je rappelle, je suis issu de Saint-Dizier de base, la campagne, tout ça. Merci beaucoup pour tout ça. Hein. Les gars, faut que je vous montre la vue parce qu'elle est incroyable. J'ai jamais été autant en hauteur sur Paris, regardez ça, c'est trop beau. Hey, c'est incroyable, jamais vu une vue pareille. Les petits Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, c'est incroyable. A priori, c'est ici qu'on va pouvoir faire la petite interview avec Tom. Du coup, ça va ressembler à ça à peu près. Va falloir un petit peu tout réadapter, faire les premiers plans. Là, on commence déjà un petit peu à voir comment on va s'organiser. Mais je suis très content, c'est très cool, assez intime. Moi, j'avais peur que ce soit un grand truc, ultra event et tout. Et non, en fait, on est un peu en soum-soum là. Non, mais ça va le faire. Je me suis entraîné dur pour ça. Les gars, ça fait un peu rire parce qu'on parle avec Carlito par message et écoutez nos conversations, genre elles sont semi-sérieuses, on se donne des infos et en même temps on ça va pas. Vas-y putain ta mère, si je partais pas ce soir, on aurait fait go resto dans le lec. Pourquoi je parle comme ça? Je finis mon caca moi, mais je suis là dans 40 minutes je pense, du coup ça veut dire se rendre plein dans ton truc. Après ton truc on se calme. Vas-y gros, bon caca, pousse fort et on se rejoint après. Ça me détruit. Voilà, l'élite du YouTube français. Normalement après Steven, je pense qu'on va être blacklist de Sony tous les trois. Ça va être ça le plan les gars. Enfin le plan pour vous, en tant que viewer sur Insta, ce sera la cam qui sera juste en face. C'est bien non? On commence dans 10 minutes? Eh moi j'ai jamais fait ce genre d'événement, ça me stresse un peu là, ça y est. Les gars on m'a enfermé, je suis pas tout seul. Mais on m'a mis dans une salle. Je pense qu'en fait je me suis fait avoir et qu'on m'a mis disséqué. Non, je crois que c'est parce que Tom arrive. Les gars, il y a le boss qui vient d'arriver, ça y est, ça me détend un peu là. Je me sens mieux. Tu veux... Je disais, le plan d'avant, je disais, les gars, on m'a mis là, je sais pas ce que je fais, je crois que j'ai le Covid, on m'a mis en quarantaine. Ah ouais, regarde l'ambiance, c'était très studieuse. Anglais, t'es. Mec, anglais, je suis une bille. Dis-toi, là, j'ai préparé et tout. Hein. C'est une semaine qui répète. Ouais, c'est normal. Non, pas une semaine en vrai. Non, mais c'est trop bien. Ouais, mais ça va être crime, je pense. Non, non, pas du tout, parce qu'il va te mettre trop bien. Oui, je pense. C'est le grand avantage. Mais oui. On a un an d'écart. Ah ouais, grave, 96 pour 97. T'as vu, c'est fou. David, il est pas loin, toi. Non, il se fait la coupe des cheveux. On m'a dit. Ouais, il est vrai, il est chez le coiffeur. C'est l'avantage. Moi, j'ai pas besoin, tu vois. Pourquoi? Mais comment ça? Ouais, ah, t'es déjà coiffé, t'es tout. Ouais, voilà, j'ai un bonnet, quoi. Ouais, je vois. Ok. Y a Tom, ça y est. Hello, hello. Hello. Bonjour. Bonjour. Hi, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. That's a cool camera. Yeah. I must say, hydrated. C'est mitigé, hein. That's fine. Okay. You just take your time. Unfortunately, I speak no French. Oh, no, no souci. I apologize. Okay. Hello, Tom. Welcome in my house. Thank you for having me. I have some questions for you. I'm Mastu. I make videos on YouTube, but you can call me Theo. Okay, Theo. And I have some questions for you. You can take this. Yes. Because I speak English approximately. So if you don't understand me, you can read. Okay? Fantastic. Okay. Nice. I like your forward thinking. Can you describe Uncharted with three words? Three words, yeah. Yes. I would describe Uncharted as adventurous, exciting, and fulfilling. Okay, good. For finish, do you have something to say for your French fans? I love it here in France. Yeah, I've been to Paris many times before and always had a wonderful time. I would love to go skiing in France. Actually, that's not... I've been skiing in France, to Le Rosier. It's a wonderful place. I hope it's in France. Last question. Do you have something to say in French for your French fans? Anything we can translate? J'adore la Paris. Okay. Thank you. Thank you very much. Merci. You did really well. Yeah, your English is good. Oh. Your English is much better than my French. Oh, you... So, well done. Thank you. Yes. Merci. Monsieur. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Ouais, carrément. On l'a fait. On enchaîne maintenant. Ouais. Ok, parfait. Bah, comme prévu, je me débrouille mieux en espagnol qu'en anglais, quoi. Bon, je serais plus à l'aise sur une photo. Ouais. Là, les gars, on fait un petit photo call. Je vais essayer de vous poser un endroit où ça va pas poser problème. Merci. Thank you very much. Thank you.
Re les gars, ça y est, je suis rentré dans ma petite chambre d'hôtel. C'était très cool, très enrichissant comme expérience, bien qu'un peu court. Mes compétences en anglais, c'est une catastrophe. Je n'ai jamais autant regretté de ne pas avoir écouté en cours. Et le pire, c'est que j'ai eu 16 au bac d'anglais. La fraude. C'est assez drôle de se dire que genre une semaine avant de rencontrer Tom Holland, bah je savais pas que j'allais le rencontrer et jamais je me dirais que je rencontrerais ce gars. Je suis très pressé d'aller voir le film. Je vais vous emmener aussi ce soir. On va aller voir le film en avant-première. Je vais vous montrer un petit peu. On va être dans l'espace VIP du Grand Rex. Très curieux de voir. Et là, vous vous souvenez dans le vlog de la semaine dernière, je vous avais parlé d'une chambre tarlée fou. Et bah on y est. Du coup, faut que je vous montre un petit peu. Regardez ça. Là déjà, on a mis un petit parfum dans la chambre, odeur passion. Regardez, je peux fermer les rideaux. Ça refait une ambiance caliente un petit peu, tu vois ce que je veux dire? On va les rouvrir sinon on va rien voir. Je peux faire quoi d'autre? On peut gérer la température de la chambre, là on est à 23, c'est un peu trop, on va baisser à 22, je me permets. Hein. Hop, on a également une caméra sur la porte, du coup si les gens arrivent là je peux regarder qui c'est. En mode genre, imaginons c'est un tueur avec un gun, et ben on peut voir. Attendez, je vous montre. On a une petite balançoire aussi juste ici, je sais pas à quoi ça sert. Mais c'est cool, moi je passe ma vie dessus, hier j'ai dormi dessus d'ailleurs. On a une petite terrasse qui sert pas à grand chose parce qu'en gros il y a une fenêtre qui donne sur une autre fenêtre. Je pense que c'est une question de sécurité et d'isolement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un jacuzzi. Regardez ça, c'est insane. Et là, pour activer le jacuzzi, eh ben, il faut que j'aille sur la tablette. Hop, j'appuie sur le truc pour remplir le jacuzzi. Je vais vous le faire en direct. Pour deux personnes s'il vous plaît. Hop les. Et après pour l'arrêter c'est le même mécanisme. Je vais l'arrêter. Je crois que j'ai... Mais non, arrête-toi. Et enfin, le must du must de cette chambre. Des toilettes japonaises. Et je veux ça plus tard dans mon appartement ou dans ma maison, je veux des toilettes japonaises. Les gars, le petit jet là, donc tout le monde a fait des vannes en mode ça t'allume le cuisson bizarre. C'est la meilleure chose qui existe, je vous jure, essayez. Je me suis jamais senti aussi propre que quand j'ai utilisé des toilettes japonaises. Et après quand tu reviens en France et que tu torches ton fion avec du PQ, tu te dis bah je suis un bon crado, voilà. Bon, on se retrouve à l'avant-première, sauf si je décide de rallumer la cam pour raconter ma vie, mais normalement on se retrouve au Grand Rex dès que je claque des doigts. Les gars, on vient d'arriver, l'ambiance elle est incroyable, c'est trop beau, j'étais jamais venu ici. Je sais pas si on va se rendre compte, non, on se rend compte de rien du tout, c'est un peu con. Et je vais essayer de vous faire des plans à l'iPhone maintenant. Les gars, on vient de sortir de la séance de cinéma, c'était trop cool, j'ai trop aimé. Tom Holland lui-même s'est déplacé et est venu pendant le ciné, donc c'était d'autant plus cool. On a eu le droit à un petit discours en anglais, c'était sympa. Une vraie bonne ambiance et tout, j'ai trop aimé. Et là, on est au resto. Je vous fais une outro pouf. Les gars, il y a Jules qui nous a rejoint. Il est juste ici, regardez. Ça va? Ok, oui, je vois pas de ces gens. Que dire? Comment conclure ce vlog? Mec, là, c'est le vlog qui sort demain, qui s'appelle... C'est quoi dans... avec tout le monde? Ouais, c'était une expérience de fou. Je l'ai dit 4 fois au moins dans le vlog. Les gars, du coup, j'ai perdu mes moyens sur le moment. J'ai pas osé lui montrer la vidéo. J'avais peur de passer pour un forceur. Il était trop cool, mec. Je suis sûr, il aurait kiffé, ouais. Mais bon, la vie aurait voulu autrement. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, ce fut un plaisir, Tom, si jamais tu passes par là. Ouais. À l'occasion, si tu passes au Lot, il y a une vidéo pour toi. There is a video for you if you come in Angers, Angers gang. Thank you for your time and be happy in your life. C'est beau ça. C'est beau hein. Mmh. On dirait que je suis anglais. Sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu. C'était des images assez inédites. Je suis très content. L'année commence bien. J'espère qu'elle va continuer sur cette lancée. Je vous fais plein de bisous. Et c'est Jules qui fait la outro. T'as vraiment bien coup de coude dans la cam, wesh.